3, 2, 1. Salut à tous, c'est le sixième homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Pour commencer, comme d'habitude, je veux faire un gros big up à tous ceux qui me soutiennent en faisant des dons sur Tipeee. Ce que vous faites est énorme et j'ai vraiment besoin que vous continuiez. Et même si vous le savez, le mois d'août a été un peu compliqué, on est encore là et c'est en grande partie grâce à vous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Tipeee vient de m'élire créateur de la semaine. Je trouve ça ouf, j'espère que ça va donner un gros coup de boost. Alors maintenant, fêtons ça et tous ensemble, cassons la gueule à ce mois de septembre. D'ailleurs, sachez que cette vidéo ne sera pas sponsor, c'est la life et ça va le faire quand même. Puis voyez les choses du bon côté, du coup, il y a de grandes chances que mon intro soit bien moins longue que d'habitude. Alors ça, j'y crois moyen, j'attends de voir. Yes, me connaissant, c'est pas gagné, et pour ne pas perdre plus de temps, sachez qu'aujourd'hui, c'est un coast to coast que je vous propose. Depuis leur arrivée dans la bulle, les Celtics font vraiment parler d'eux, et en bien. Actuellement, au deuxième tour des playoffs face aux Raptors, ils mènent par 2-1, et malgré la défaite au match 3 suite à ce shoot gigantesque de Oji Anunoby, ils sont toujours en bonne posture pour espérer se qualifier en finale de conférence. Évidemment, l'effort collectif est à souligner dans la franchise du Massachusetts, mais donnons aussi énormément de crédit à Brad Stevens qui a su faire en sorte que tout le monde trouve sa place et trouve son rôle dans cette équipe. Mais au-delà de ça, j'aimerais particulièrement mettre en lumière deux joueurs, Jason Tatum et Jaylen Brown. Les deux potes qui partagent un vécu commun depuis le lycée forment un duo extérieur de feu pour les Celtics. Attends, j'ai entendu duo extérieur, alors que je suis prêt à mettre ma main à couper que cette année, Jason Tatum est utilisé comme un poste 4. Ah, je m'en doutais qu'il y aurait débat à ce propos, et oui, tu as raison, Jason Tatum a été listé comme un ailier fort pendant la très grande majorité de cette saison. Mais bon, ouvrons les yeux aussi un peu, s'il a été décalé, c'est aussi parce que Brad Stevens adore utiliser un dispositif avec un seul intérieur. Il suffit de regarder les matchs pour s'en rendre compte, Tatum évolue beaucoup plus comme un ailier shooter que comme un ailier fort, et c'est pas le basket moderne qui me fera changer d'avis à ce propos. Alors mettons fin à ce débat tout de suite, Brown Tatum, pour moi, c'est un vrai duo d'extérieur, pigé ? Mais bon, revenons à notre sujet, des duos d'extérieur, il y en a eu un paquet dans l'histoire de la Ligue, et certains ont connu beaucoup de succès. Et là, au vu de la hype qu'il y a autour d'eux, je me demande si notre paire des Celtics est faite du même bois que les duos dont je viens de parler, et c'est ce que je vais essayer d'analyser aujourd'hui. Pas mal ça, mais tu vas t'y prendre comment ? Eh bien, comme dans tous les Coast to Coast, tout d'abord je vais présenter ce duo, analyser leur histoire commune, et insister sur ce qui fait principalement leur force. Ensuite, j'essaierai de voir si ces deux joueurs peuvent encore progresser, et entre nous, vu qu'ils ont 22 et 23 ans, ce serait étonnant que ce ne soit pas le cas. Viendra ensuite l'étape où je présenterai toutes les paires qui, pour moi, représentent les meilleurs duos d'extérieur de l'histoire. Je les répartirai en 5 tiers, ça a été un travail de dingo, mais j'ai trop kiffé faire ça, vous me connaissez un peu là-dessus. Et le truc, c'est que ça va m'être très utile, parce que grâce à ça, je pourrais facilement essayer de comparer les joueurs et voir à peu près à quel échelon se situe le duo Jaylen Brown-Jason Tatum. Ça me permettra aussi de pouvoir analyser jusqu'à quelle hauteur à peu près ils peuvent monter, tout ça est plutôt simple, non ? Je sais pas trop, j'avoue, là, je suis un peu perdu en vrai. T'inquiète, j'ai fait de beaux visuels pour illustrer mes propos afin que chacun s'y retrouve facilement, et fais-moi confiance, avec ça on aura une vraie réponse. Alors c'est parti, Jason Tatum et Jaylen Brown peuvent-ils un jour appartenir au meilleur duo d'extérieur de l'histoire? C'est bien ce qu'on va analyser aujourd'hui dans ce Coast to Coast. Du coup, comme prévu, pour commencer, je vais un peu analyser cette paire de joueurs. Pour ceux qui voudraient plus de détails, j'ai rédigé un article à ce propos dans la semaine sur Basket Info, je vous mettrai le lien en description. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, je vais tenter d'aborder l'essentiel du sujet dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Jason Tatum et Jaylen Brown se fréquentent depuis tout jeune, et ça fait vraiment peu de temps que je l'ai appris, je l'ai vu dans les recherches que j'ai faites pour mon article. En fait, lorsqu'à 15 et 16 ans, ils se sont rencontrés lors d'un camp Under Armour, ils ont très vite compris que leur destin serait étroitement lié. Les gars dominaient tout, avaient de vrais espoirs d'évoluer un jour en NBA, et leurs objectifs étaient les mêmes. C'est à ce moment-là qu'une vraie bromance entre les deux gamins a commencé. Ils ont disputé d'autres camps, se sont recroisés à plusieurs reprises lors d'événements liés au basket, et ils passaient à chaque fois tout leur temps ensemble. De ce que j'ai lu, Tatum et Brown partageaient à chaque fois la même chambre et étaient intarissables dans leurs discussions, que ce soit à propos du basket, de leurs objectifs ou même de leur vie perso. En fait, si j'insiste un peu là-dessus, c'est que je trouve ça super important pour la suite. Ouais, raconte-nous pourquoi, parce que là j'ai un peu l'impression que tu nous racontes l'histoire de Roxy Rookie. Ok, j'enchaîne, et parlons de la draft 2017. Jaylen Brown était en NBA depuis déjà un an, et Boston possédait le pick numéro 3. Alors une fois que Markelle Fultz et Lonzo Ball furent sélectionnés respectivement par les Sixers et les Lakers, ce fut au tour de Danny Ainge de choisir. Là, le GM eut du mal à se positionner, parce qu'en vrai, il avait deux prospects dans le viseur, Jason Tatum justement, et Josh Jackson. C'est ainsi qu'il décida d'appeler son jeune joueur Jaylen Brown pour avoir son avis, et la suite, vous la connaissez. Je lui ai dit que JT était le gars qu'il nous fallait. Danny a probablement appelé beaucoup de gens à ce propos, mais il m'a appelé aussi, je ne sais pas si ça l'a aidé à confirmer son choix, mais je lui ai dit ce que j'en pensais. En définitive, que ça ait influencé Ainge ou non, peu importe, mais au vu du
du début de carrière compliqué de Josh Jackson, on ne peut que se dire que ce choix était le bon. Mais c'était pas risqué quand même de la part de Jalen Brown de prendre vraiment parti pour Tatum alors qu'il pourrait être une vraie menace pour son temps de jeu? Eh bien si, et c'est justement ça que je trouve très intéressant, d'autant plus que jusqu'à l'année dernière, beaucoup se posaient des questions sur l'équilibre du roster des Celtics. Avec Jalen Brown, Jason Tatum et Gordon Hayward, n'y avait-il pas embouteillage sur les postes extérieurs? Tous ces joueurs étaient-ils vraiment complémentaires? Est-ce que c'était vraiment cohérent d'assembler cet effectif? Ne valait-il pas mieux utiliser Brown et Tatum en tant qu'assets dans un sign and trade éventuel pour faire venir Anthony Davis? Toutes ces interrogations étaient légitimes, vraiment, d'autant plus que l'an passé, les 6 se sont fait bouffer dans la peinture face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo. Faire venir AD pour remplacer Horford, au moins sur le papier, ça paraissait sacrément goulayant. Ouais, sauf que cette transaction n'a jamais eu lieu. Et oui, c'est bien ça le souci. Imaginez comment ça peut être destructeur pour un jeune joueur d'être dans l'attente en entendant en parallèle constamment son nom dans les rumeurs de transfert. Regardez à quel point ça a été néfaste la saison dernière pour des joueurs comme Josh Hart, Lonzo Ball, Kyle Kuzma ou Brandon Ingram. Et pourtant, malgré ces épreuves, Jalen Brown et Jason Tatum n'ont jamais rien laissé transparaître. Au contraire, même au fil du temps, ils ont élevé leur niveau de jeu pour peu à peu s'approcher d'un statut ultra respectable. Cette année, les deux étaient dans la discussion pour une sélection All-Star Game et Tatum a même obtenu le sésame pour le match des étoiles. Pas mal, non? En tout cas, croyez-moi, si le duo d'extérieur que l'on étudie aujourd'hui a réussi à surmonter tous ces obstacles avec brio, c'est qu'ils sont restés soudés comme ils le sont depuis leur enfance. Nous avons compris très tôt que nous serions liés, et même en tant que gamin, on s'est toujours poussé vers le haut. Ça a continué naturellement en arrivant ici. Vous voulez toujours être cool avec quelqu'un que vous allez fréquenter quotidiennement. Vous savez, dans cette ligue, dans ce business, impossible de prévoir ce qui va arriver, et impossible pour nous de savoir si nous allions continuer à jouer ensemble. Alors la seule chose que nous pouvions faire, c'était de nous concentrer sur les opportunités qu'on nous offrait. Perso, je trouve l'histoire fabuleuse. Tu parlais de Rox et Rookie tout à l'heure, et c'est vrai qu'on est dans un scénario qui n'est pas loin d'être proche de celui d'un Disney. Alors qu'ils auraient pu devenir rivaux, Tatum et Brown sont devenus amis. Plutôt que de se tirer dans les pattes pour obtenir du temps de jeu, ils se sont soutenus. Et même si les centres d'intérêt des deux aliens ne se rejoignent pas toujours, chacun s'enrichit des différences de l'autre. Je trouve ça beau. Du coup, au lieu de se marcher sur les pieds, ils sont devenus complémentaires, tirant jour après jour ces Celtics vers le haut. Nul doute d'ailleurs que l'expérience commune vécue avec Team USA l'été dernier en compagnie de Marcus Smart et Kemba Walker a encore renforcé leur lien. Ok, j'ai compris. Tes deux gars là, ils sont très proches, ils sont très potes, mais j'ai besoin de justification. N'ont-ils pas trop de similitudes pour être vraiment complémentaires? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose, moi y compris, mais ouvrons les yeux un peu. Les ressemblances qu'ils ont sont-elles vraiment un souci? Leur principale similitude pour moi, c'est leur polyvalence, aussi bien en attaque qu'en défense. Sur un terrain, ces deux gars peuvent tout faire, et c'est sûr que de ce point de vue, ils se ressemblent. Mais je le répète, est-ce vraiment un problème? Si on parlait de deux gars qui étaient pareils en étant complètement unidimensionnels, je comprendrais qu'on se pose des questions, parce que ça pourrait créer de vraies failles dans certains secteurs. Mais là, avec deux joueurs super polyvalents, les failles, elles sont où? Nick Nurse, qui actuellement, avec ses Raptors, contre les Celtics en playoff, semble d'ailleurs tout à fait d'accord avec moi. Ils peuvent défendre sur quasiment tout le monde, et en attaque, ils ont toute la panoplie. Ils peuvent driver ou bien vous poster s'ils ont les match-ups favorables. Beaucoup des meilleurs joueurs de la ligue brillent à ce poste car ils sont longs, athlétiques et polyvalents. C'est le cas de ces gars, ils sont de vrais two-way players, tous les deux. Forcément, ça, déjà, c'est intéressant, mais moi, ce que je me dis, plus globalement, c'est que malgré certaines similitudes, Robin n'a jamais gêné Batman quand il s'agissait de protéger Gotham City. En vrai, cette comparaison DC Comics, je l'aime bien, car je trouve que mentalement, ce duo se complète parfaitement. Dans le rôle de Batman, Jason Tatum. Franchement, lui, il faut être myope pour ne pas voir qu'en lui, il dispose de cet ADN de leader. Élu joueur du mois de la conférence Est en février à seulement 22 ans, le numéro 0 des Celtics, cette saison s'est comporté en patron, dépassant par deux fois la barre des 40 points, tout en mettant des shoots très clutch dans le quatrième quart. Le level qu'il a atteint est ouf, et match après match, le gamin semble progresser. Jalen Brown, lui, c'est Robin. Il score un peu moins, c'est sûr, il est un peu plus dans l'ombre, mais il fera toutes ses petites choses nécessaires pour aider sa team. S'il y a besoin de partir en mission sur un adversaire, Jalen est présent. S'il faut prendre des rebonds, ok. S'il y a besoin de scoring, dans le money time, il est là aussi. Et s'il faut s'effacer pour laisser Tatum briller, pas de problème. Je donne énormément de crédit à Jalen Brown pour être un joueur extrêmement talentueux, capable de mettre son ego de côté pour le bien du collectif. Peut-être que je me trompe, hein, mais je suis persuadé que le lien qu'entretiennent Jason et Jalen depuis leur adolescence a fortement à voir là-dedans. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que si l'on peut reprocher à Tatum d'être parfois inconstant, ce n'est pas le cas de Jalen, qui tous les soirs, à chaque match, répondra à présent, d'autant plus lorsque son pote vivra un jour sans. Ça, pour moi, c'est de la complémentarité réelle, et c'est tous les Celtics qui en profitent. Ok, je suis à peu près convaincu, même si au départ il y avait des doutes, ce duo aujourd'hui impressionne par sa complémentarité. Tout à fait, sauf que impressionner ne suffira clairement pas pour répondre à ma question du jour. Mon sujet va bien au-delà de ça, vu que je me demande si Tatum et Brown pourront devenir à terme l'un des tout meilleurs duos d'extérieur de l'histoire. Bon, si je dis à terme, ce n'est pas par hasard, les deux joueurs sont très jeunes et peuvent parcourir encore beaucoup, beaucoup de chemin ensemble. Ouais, mais avant de parler de ce chemin, ce serait bien que tu nous
tous les listes, justement, ces meilleurs duos d'extérieur de l'histoire. Yes, et comme je le disais en intro, j'ai essayé de choisir en étant le plus exhaustif possible, en répartissant toutes les paires que j'ai trouvées en 5 tiers. Mais avant de vous montrer ça, je veux vous parler des duos que j'ai écartés de cette discussion. Par exemple, certains seront surpris de ne pas voir apparaître dans mes visuels Jerry West et Elgin Baylor, et ça peut se comprendre. Ceci dit, je considère davantage West comme un combo, qui menait souvent le jeu plutôt que comme un véritable poste 2. Pour Elgin Baylor, c'est la même. Si officiellement il a été utilisé comme un poste 3, le mec ne s'écartait quasiment jamais, et l'essentiel de son jeu se déroulait dans la peinture. Pour moi, nous sommes loin du schéma shooting guard, small forward, comme je l'imaginais pour cette vidéo. Dans la même veine, on pourrait aussi évoquer les duos Alex English, Kiki Van de Veg, ou encore George Gervin, Larry Cannon, mais pareil. Pour moi, dans les époques étudiées, Van de Veg et Cannon possédaient beaucoup trop un jeu d'intérieur. A contrario, comme je le disais dans l'intro, si Tatum peut être listé comme un 4 dans un dispositif small ball, je le vois beaucoup plus comme un poste 3, son jeu parle pour lui. Ah, le débat des postes, le retour. C'est ça, mais après je comprends hein, que vous soyez pas forcément d'accord, et cette discussion qui se joue à des détails pourrait vraiment être interminable. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de ça, moi je veux juste que vous compreniez mes choix, et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Respecte mon autorité! Bref, je crois que maintenant j'ai assez teasé, il est temps de vous les présenter, ces meilleurs duos d'extérieur de l'histoire. Comme vous le voyez, pour le tier 1, nous avons affaire à un cercle très très fermé. Seulement deux duos ont obtenu le précieux sésame. D'un côté, Michael Jordan et Scottie Pippen, de l'autre, LeBron James et Dwayne Wade. Pour que vous compreniez un peu, les trois chiffres que j'affiche là, à côté des saisons passées ensemble, que je fais apparaître en rouge, c'est leur stats cumulé en points, rebonds et passes décisives au cours de leur meilleure saison statistique en commun. En gros, ça permet surtout d'avoir une idée chiffrée de leur impact. La dernière ligne, vous vous en doutez, c'est simple, ce qui apparaît représente le meilleur résultat collectif obtenus ensemble. Bon, franchement, là, ces deux duos, c'est du high level, des stats de ouf, des titres, des finales, difficile d'accéder à ce tier 1. Alors passons au tier 2 qui est peut-être un poil plus humain. Là, j'ai mis 4 duos, John Havlicek, Sam Jones, Kevin Durant, Klay Thompson, Larry Bird, Danny Ainge et James Worthy, Byron Scott. Encore une fois, ça a remporté des titres, parce que ouais, regardez, toutes ces paires détiennent plusieurs bagues. Ce qui fait la diff en fait avec le tier 1, ce sont leurs stats qui semblent légèrement inférieurs aux deux duos que j'ai choisis. Parfois, ça s'est joué à peu de choses, mais je dois le dire, pour moi, dépasser la barre des 50 points à 2 reste quelque chose de super simple. Bon, après, ce qu'il faut noter avec ces duos du tier 2, c'est qu'à chaque fois ils ont été complétés par des superstars, genre Bill Russell, Stephen Curry, Kevin McHale, Magic Johnson ou Kareem Abdul-Jabbar. Forcément, dans ces situations, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une grosse production statistique, ça les excuse un peu. Mais en parallèle, faut pas rigoler non plus, ça aide aussi d'avoir une telle compagnie pour jouer des finales et gagner des titres. Donc, du coup, pour moi, ça compense et ça me permet d'assumer totalement mon tier 2. Alors, on ne perd pas de temps et je passe au tier 3 désormais. Ici, 6 duos: Paul Pierce, Ray Allen, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Julius Erving, Andrew Tony, Kawhi Leonard, Manu Ginobili, Al Greer, Chet Wallace, et enfin Rick Barry, Phil Smith. Toutes ces paires ont un point commun, celui d'avoir gagné un titre. Tous aussi ont un impact moins ronflant que mes duos du tier 2. Bon, à part si on compare avec le duo James Worthy, Byron Scott, j'avoue, mais 3 titres plus 3 finales perdues, ça a du poids quand même. Voilà pourquoi je laisse ma paire des Lakers dans le tier 2. Alors vous l'avez remarqué, pour l'instant, tous les duos que j'ai évoqués ont été titrés. Et oui, pour moi, il est difficile de prétendre appartenir au meilleur duo de l'histoire sans au moins avoir une bague. Après, si certains binômes avec des stats exceptionnels de chez exceptionnels avaient été en finale au moins une fois, je dis pas, peut-être que je leur aurais trouvé une place. Et là, vous allez le voir dans le tier 4, même s'il y en a certains qui sont pas passés loin, pour moi ça a été trop juste. Parce que ouais, ici justement, j'ai mis plein de gars avec des stats de ouf. Mark Aguirre, Rolando Blackman, Kawhi Leonard, Paul George, Pete Maravich, Lou Hudson, Ray Allen, Rashard Lewis, Chris Mullin, Mitch Richmond, Adrian Dantley, Darrell Griffith, Clyde Drexler, Jerome Kersey, Kevin Durant, James Harden et George Gervin, Mike Mitchell. Eux, clairement, si l'on regarde juste leurs chiffres, ils pourraient presque prétendre au tier 1 ou au tier 2. Mais franchement, mater ça de plus près, ça manque de trophées et de résultats. Alors ouais, Drexler et Kersey sont plutôt pas mal avec leurs deux finales disputées, mais sans titre, j'aurais aimé un peu plus d'impact statistique pour être mis au-dessus. Parlons de Paul George et Kawhi Leonard maintenant, parce que oui, au moment où je tourne cette vidéo, ils disputent leur deuxième tour de playoff. Mais si j'ai mis un point d'interrogation à côté de ça, c'est qu'ils pourraient aller bien plus haut, car ouais, tout pourrait bien avoir évolué d'ici quelques semaines. Autant le dire tout de suite, en cas de titre, ils deviendront des candidats très sérieux au tir supérieur. Mais bon, soyons raisonnables, nous n'en sommes pas là. Après, je dois le dire, hein, y a eu plein de choix très compliqués à faire. J'ai dû prendre plein de décisions, je les assume, mais sachez-le, je ne trouverais absolument pas scandaleux que vous mettiez la paire Drexler-Kersey au tier 3 par exemple. Il y a des duos, des fois vraiment ils se retrouvent entre deux échelons et il y a vraiment pas blasphème si on décide de les bouger. Donc please, pensez à ça et attendez encore un petit peu avant de m'envoyer au pilori. Merci de votre compréhension, passons désormais au tier 5. Ici, 11 duos. Latrell Sprewell, Alan Houston, Reggie Miller, Jalen Rose, Joe Johnson, Sean Marion, Vince Carter, Richard Jefferson, Carmelo Anthony, J.R. Smith, Jim Jackson, Jamal Mashburn, Sidney Moncrief, Paul Pressé, Dominique Wilkins, Reggie Theus, Ray Allen, Glenn Robinson, Rick Barry, Casey Russell et enfin Connie Hawkins, Dick Van Arsdale. Bon, j'avoue, cet échelon, il est un peu fourre-tout, il correspond à toutes les paires que je tenais à mettre en valeur et qui, pour moi, ne méritaient pas d'être au-dessus. Je vais m'expliquer sur quelques-l'une d'elles, et on peut parler de Sprewell et Houston, par exemple, ou de Miller et Rose. Avoir fait une finale, c'est
c'est huge et ça aurait pu être récompensé. Mais bon, je vais vous dire, j'ai trouvé leur impact statistique trop faible pour aller plus haut. A l'inverse, on peut aussi évoquer Jim Jackson et Jamal Mashburn qui, au niveau des chiffres, ont totalement fait péter les compteurs. Mais mince, faire tout ça pour louper les playoffs pendant 4 saisons consécutives et ne jamais les atteindre, moi, honnêtement, ça me pose souci. Donc voilà, pour résumer, dans ce tier 5, il s'agit soit de paires qui ne sont pas allées assez loin, soit de paires avec un impact moindre. Allez, je vous laisse encore ma pyramide quelques secondes pour que vous voyiez bien ce qui représente pour moi les meilleurs duos extérieurs de l'histoire. Bon après, si vous kiffez analyser les détails, comme j'aime le faire, vous pourrez toujours revenir en arrière et mettre pause. Du coup, maintenant, revenons à nos moutons. Parmi les 32 duos que j'ai déjà affichés, Jason Tatum et Jaylen Brown ont-ils déjà une place? Si ce n'est pas le cas, peuvent-ils y prétendre un jour? Et surtout, si oui, jusqu'à quel tir peuvent-ils grimper? Pour répondre à ça, je reviens à ma pyramide et en haut à gauche, j'affiche les données pour notre duo des Celtics qui cette saison a cumulé 44 points, 13 rebonds et 5 contre et qui en 2018 a atteint les finales de conférence. En attendant peut-être d'aller plus haut cette année. Ça, on verra, il est encore trop tôt pour en parler. Franchement, comparez ça avec les duos du tier 5 et ce qu'ils ont fait, c'est déjà mieux que beaucoup. Après, c'est peut-être un peu juste ok pour le moment pour le tier 4, mais pour celui d'en dessous, ça mérite. Y a pas à bégayer. C'est vrai, j'avoue qu'ils ont leur place tout en bas, mais qui te dit qu'ils ne vont pas totalement stagner à partir de maintenant? Eh bien moi je suis assez sûr que ces joueurs vont encore progresser, encore gagner en maturité avec les expériences de playoffs qu'ils vont vivre. Comme je l'ai dit, le potentiel est là, et tout au long de la saison, on a pu voir ces deux gars évoluer, gagner en confiance et en complémentarité. Pour ceux qui douteraient de ça, j'ai affiché en haut à droite les mêmes données que d'habitude, mais je les ai liées aux playoffs de cette année. En post-season, dans la bulle, Tatum et Brown compilent 47 points, 15 rebonds et 6 passes en cumulé. Pour moi, ça vaut déjà le tir fort, ou pas loin. En vrai, ces perfs me permettent d'être persuadé que d'ici un an ou deux, Tatum et Brown auront fait suffisamment de progrès pour revendiquer une vraie place à cet échelon. Du coup, je me mouille, affirmer qu'à terme, Tatum et Brown seront dans le top 20-22 des meilleures paires d'extérieurs all-time de la NBA, ça me semble tout à fait probable. Mais maintenant, peuvent-ils aller encore plus haut, genre atteindre le top 12, voire le top 6? Pour ça, on va remettre encore notre pyramide. Comme vous le voyez, niveau stats ou niveau impact, le duo Tatum-Brown a de sacrés arguments sur ce qu'ils ont montré en playoff. Tout ce qui leur manque, ce sont des résultats collectifs, et appelons un chat, des titres. Rien qu'avec un seul, ce qui serait déjà pas mal, ils débarquerait clairement dans le tier 3. Puis allons encore plus loin, on peut rêver, ajoute une ou deux bagues ou encore de multiples participations au final et le tier 2 serait complètement à portée de main, ce serait insane. Par contre, le tier 1, n'abusons pas, je le dis tout de suite, il me semble trop haut. Déjà que le tier 2 me semble peu probable honnêtement. Autant je veux bien mouiller sur certaines choses, autant affirmer que Tatum et Brown ont le potentiel pour remporter de multiples titres en cumulant plus de 50 points par match et qui voudraient affranchir une ligne que je ne veux pas dépasser. Puis en vrai, pour les échelons 2 et 3, c'est pareil, dire à coup sûr qu'un jour ils obtiendront suffisamment de succès collectif pour y accéder, même si je leur souhaite serait beaucoup trop prématuré. Du coup, pour conclure, ça va être simple. Si tous les astres s'alignent exactement de la bonne façon et que le duo Tatum-Brown remporte des bagues, pourquoi ne pas les imaginer un jour accéder au top 12, voire au top 6 des meilleurs duos d'extérieur de l'histoire NBA? Ce serait complètement ouf, mais pourquoi pas? Même si ça correspondra clairement à leur plafond, le potentiel semble là. Mais maintenant, vous savez tout comme moi que le potentiel est une donnée vraiment incertaine, alors je ne serais clairement pas prêt à faire all-in là-dessus. Soyons donc plus vastes et concluons ainsi. Pour moi, quoi qu'il arrive, à terme, le duo Jason Tatum-Jaylen Brown sera au moins dans le top 20 des meilleurs duos d'extérieur de l'histoire de la NBA, et peut-être même plus si le destin s'en mêle. C'est déjà pas mal, non? Voilà pour ce qui est du duo Jason Tatum-Jaylen Brown, voilà pour ce qui est de mon 23ème Coast to Coast. Ça vous a plu? Vous me rejoignez sur ces idées? À quel point vous êtes hypé sur cette paire des Celtics? Dites-moi tout ça en commentaire, votre avis m'intéresse grandement. Sinon, vous le savez, mais faut que je vous le répète, pour suivre l'actu NBA tous les jours, le mieux c'est de nous rejoindre sur Basket Info. J'y ai grandement repris du service ces derniers jours, notamment à la rédaction, et je vous donne vraiment rendez-vous là-bas si vous voulez me lire. Évidemment, je vous mettrai tous les liens qu'il faut pour nous suivre en description. Pour débattre avec la communauté et découvrir mes all-time teams au quotidien, vous connaissez, c'est encore et toujours sur Discord et Instagram que ça se passe. Et pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications. Mais c'est pas tout, allez plus loin encore, lâchez un pouce bleu, posez un com, il paraît que c'est bon pour le référencement. Et surtout, en fait, j'ai entendu que si vous faisiez la totale, ça augmenterait vos capacités au dunk. Je serais vous, j'essaierai, ça coûte pas grand chose. A très vite.